14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard et on commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Dimanche dernier, je me suis rendue à la grande brocante du 1er mai au château de Chambord. Mon but de la journée, acheter quelque chose pour embellir ma maison. J'étais excitée comme un moustique en train de crever sur un halogène. J'avais été tirée de l'argent liquide pour l'occasion, si en plus il me manque 4 euros pour acheter un coussin en forme de canard. Bref, crocs aux pieds et lunettes de soleil vissées au visage, j'étais fin prête pour la sortie dépensière du mois. Nous étions 7 à arpenter les allées du vide-grenier quand notre regard se posa sur une tête de chèvre en paillé. Nous avons dans notre foyer une sorte d'attirance pour les têtes d'animaux empaillés à qui nous donnons un petit nom tendre quand nous les adoptons. Ainsi, dans notre fermette, Augustin le ragondin côtoie Roger le sanglier, etc. Alors je sais que, hors contexte, cela peut nous apparenter à la famille Adams, mais je vous promets que notre goût relève plus d'une passion pour les films de Disney que d'une réelle addiction pour les trophées de chasse morbides. Bref, très heureux d'avoir enfin fait la connaissance de Guenièvre la chèvre, je décidai donc de la ramener dans notre zoo familial. Rassasié de cet achat, je pensais donc revenir tranquillement chez nous, satisfaite de cette dépense intelligente, quand soudain, une fièvre acheteuse s'empara de notre groupe. L'un partit dans une direction et tomba en amour d'un chamois ou d'un bouquetin, j'en sais rien, quoi qu'il arrive dans le Loir-et-Cher. C'est pas très logique, mais peu importe. Visiblement, 20 euros s'étaient négociés. À quelques mètres de là, une autre de nos complices totalement possédée craqua pour une tête de chevreuil. Mais où allions-nous nous arrêter? Surtout que aller trouver un prénom en œil pour baptiser la tête. Trop tard, chevreuil venait de faire son entrée dans notre arche de Noé. Croyez-moi si vous le voulez, mais après avoir surpris mon compagnon en train de demander le prix d'une marthe à l'air aussi sympathique qu'une hyène qui n'a pas bouffé depuis 15 jours, je décidai qu'il fallait d'urgence rapatrier ce petit monde hors de cette île de la tentation. Surtout que les commentaires allaient bon train. Imaginez la scène. Lui avec Guenièvre dans les bras, elle avec Oscar le brocard, l'autre avec Galopin le bouquetin. Mais c'est quoi ces gens bizarres? Les brocanteurs ne cachaient pas leur surprise en voyant défiler notre cortège macabre. Alors, avons-nous été victimes d'une fièvre acheteuse animale? C'est peut-être la question qui m'obsède en commençant cette émission. On parle de vos achats compulsifs aujourd'hui sur Europe 1. Bienvenue dans « Et si c'était ça le bonheur ?» Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur ?